Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live, j'espère que vous allez bien. Bonjour le chat, ou plutôt les chats, puisque je crois que ça va un petit peu déconner ce soir au niveau des chats, mais c'est pas grave, j'ai les lectures sur les deux. J'espère que vous allez tous bien. Il y a le programme dans la description, j'ai vu que la question a déjà été posée il y a quelques fois, donc ce sera en deux parties comme d'habitude, ou plutôt en trois, mais enfin, ce sera surtout une grosse partie. Et composé de deux petites parties, SSCF en première partie et DFFO en deuxième partie, puisque SSCF a le débarras en boubou. Comme j'ai dit, on va faire un pool du désespoir, on sait jamais. DFFO, j'ai eu de la chance, spoil, j'ai chopé la 35 CP de Terra. Donc on va faire un petit peu l'event en parlant des mécaniques de Terra, c'est une question qu'on m'a posée aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu selon moi. Et selon les retours et selon les utilisations que j'ai pu en faire avec les autres aussi, etc. Comment elles s'utilisent au mieux. Donc voilà, ce sera un petit peu les deux côtés. Bonjour Twitch, bienvenue. Donc je dis Twitch pour les gens sur Twitch globalement. Et bonjour le chat YouTube. Alors comme j'ai dit et comme vous avez sans doute vu, je le dis directement pour les gens qui regarderont aussi ça en rediffusion. Ça y est, c'est lancé. Chose promise, chose due. Déconne au niveau des chats. Ouais, je pense qu'il y aura des petites déconnes au niveau du chat, mais j'ai les deux, donc c'est pas grave, j'y reviendrai. Et donc, la nouvelle chaîne DirectPix est lancée, puisque comme je vous l'avais dit, pour des questions de visibilité, j'avais vraiment envie de séparer, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que oui, non, mais ça peut être à double tranchant, clairement j'en suis conscient aussi, mais comme mon but, c'est pas dans un premier temps vraiment d'exploser, de toucher le plus de public possible, bien sûr de continuer à faire grimper la chaîne, mais c'est surtout de pouvoir aussi proposer un contenu clair, et là c'est pas le cas. Là si vous cliquez dans la playlist des vidéos de Pixperience et que vous cherchez une vidéo, c'est selon moi trop galère, et du coup, comme je l'avais dit, j'ai décidé de séparer les deux chaînes. J'avais aussi parlé d'un vote, le problème c'est que c'était prévu vraiment pour ce soir, le lancement, je l'avais aussi dit. Et du coup, ça aurait été beaucoup trop court au niveau de la création des logos, des nouvelles miniatures, de la bannière, etc. Tout ça a été prêt et fait. Merci encore Eléa qui a fait un job de malade là-dessus. Donc, il y a vraiment plein de... au niveau des designs, etc. Plein de nouveautés. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, déjà, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner éventuellement à la nouvelle chaîne. Actuellement, on est en live sur les deux chaînes. Je vais garder ce système encore pour le morning de vendredi matin, pour le live de samedi. Et à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir, je ferai un peu plus de live la semaine prochaine, histoire que justement on puisse regrouper un peu les gens, je relancerai aussi les HL sur FB, Discord et tout ça. Dès la semaine prochaine, donc dès lundi, les lives principaux seront sur DirectPix. Et encore jusqu'à mercredi, donc pour les deux lives de lundi et de mercredi, ce sera encore diffusé sur Pixperience. Mais là, actuellement, c'est toujours Pixperience. Là, l'autre, c'est juste une rediff. Et d'ici une semaine et demie à peu près, j'amorcerai complètement la transition et il n'y aura plus du tout de live sur la chaîne Pixperience. Ce sera plus que sur DirectPix, de manière à ce qu'il y ait une bonne visibilité pour les vidéos sur la chaîne Pixperience. Et là, vous pourrez retrouver les tutos, les poules ou pas poules, les analyses, etc. Tout ce que je considère comme étant faisant partie de la vidéo pure et dure. Et de l'autre côté, on aura tous les lives. Ce qui va me permettre aussi de stream beaucoup plus sur Play 4 quand je joue, tout simplement, quand je joue vraiment le cul posé sur mon canapé puisque je me suis équipé, etc. Et bah justement, ça permettra aussi peut-être... de ne pas forcément mixer les gens qui sont intéressés que par les vidéos ou que par les lives. Les gens qui sont invités, qui sont intéressés par les deux, eh ben, je vous invite à vous abonner aux deux chaînes. Et si vous êtes intéressé que par les lives et que vous en foutez les vidéos, bah, du coup, vous pouvez vous abonner à DirectPix. Alors, j'ai dit, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. L'avenir nous le dira. A priori, moi, ça me permettra d'être plus à l'aise, justement, de mieux gérer les deux côtés, etc. De mieux aussi répartir les trucs, bref. Donc, voilà. C'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Et du coup, pour l'instant, j'ai les deux chats activés en parallèle et je ne peux pas synchroniser les deux. Donc, je reviens un petit peu sur le chat principal. Bonjour à tous, donc. Et bienvenue. Toutes les 35 CP que je chope. C'est juste. Poulière pour Barz, j'ai eu la 15 et la 35 de S. Joli. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai découvert le DD Panoramation Sanseiya. Tu connaissais? Non, pas du tout, Kurt Lord. Qu'est-ce que c'est? Des action figurines. D'accord. Gaming Fantasy, 35 CP de Terra, 35 CP Seymour et 15 CP Terra. Joli. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, mes lives seront sur DirectPix. Non, pas de sauver le monde, Orkio, pas ce soir. Qu'est-ce qu'il a, mon micro? Qu'est-ce qu'il a? Hop.
J'ai eu 35 en multi, j'ai eu 35 CP de Terra, celle de Seymour, la 70 CP de Van, la baguette d'Harry Potter et le couteau de Cyril Lignac. C'est juste, Tirave, elle est magnifique. Top tir le couteau, ça c'est sûr. Du coup, double like. Alors bon, pour l'instant, c'est vraiment pour amorcer la transition un petit peu en douceur parce que les gens sont quand même habitués, vous êtes habitués. Et encore, je tenais vraiment à partir là-dessus pour la deuxième partie en vous remerciant tous parce que la chaîne continue à monter et vraiment, ça me fait super plaisir parce que on reste quand même un petit groupe, voilà, une petite communauté et c'est bien. On continue à monter quand même, c'est vraiment bien. On a passé les 3500 abonnés, donc merci à tous. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour les 3500, j'en ferai une pour les 4000, je m'emballe. Donc voilà, merci à vous tous, tous les abonnés, tous les gens qui likaient, tous les gens qui participaient, qui jouaient avec moi sur les divers jeux, qui m'aidaient en Theorycraft, qui sont en Ninja dans l'ombre parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Merci à vous tous, vraiment, c'est super sympa. Merci aux tipeurs, bien entendu, merci à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu, je tenais à le dire en début de vidéo pour les gens qui regardent la rediff, puisque les rediffs sont aussi pas mal regardés. Et bien sûr, merci à tous les gens avec qui j'ai fait des collabs, avec qui on a partagé des trucs. Zephyr, Lord Fab, notamment au niveau de YouTube, etc. Et tous les gens qui proposent du contenu et voilà, qu'on a partagé ensemble. Merci à tous, c'est cool. Yodi, Rosnar, j'ai vu tout ça. Salut NG0, donc je vois qu'il y a des gens sur l'autre live aussi. Sur la vidéo de présentation de la chaîne secondaire. Ah voilà, Angel. Oui, j'ai fait une petite vidéo de présentation, donc vous avez vu, voilà, c'est juste pour vous montrer. Effectivement, le micro m'a bien. C'était voilà, bref, il y a eu ce plan et du coup, je me suis amusé un petit coup. J'espère que la vidéo vous plaît. C'est juste une petite intro comme ça pour que les gens qui connaissent Pixperience comprennent un petit peu ce qui se passe sur la chaîne DirectPix. Il y aura une chaîne aussi, une vidéo sur Pixperience, à peu près la même, quoi, juste pour, voilà, pour bien différencier. C'est une petite phase de transition pour la saison 2, justement. J'appelle ça la saison 2, cher malade. Hop! Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir! Comment vas-tu depuis ton live sur Fortnite? GG pour ta 35 CP de Terra! Yes, Seymour, je l'ai pas eu, il a pas voulu venir, bien entendu. J'ai pas fait de vidéo pour les poules. J'avais la flemme. J'étais simplement posé sur mon canapé et j'avais vraiment envie de jouer, et voilà, enfin bref, de poules, et voilà. Et en plus, j'ai même pas joué tant que ça depuis. J'ai reçu la notif ici, pas sur l'autre par contre. Alors là, je pense que vous allez mettre un moment avant de recevoir les notifs sur l'autre. Parce que ça fonctionne à l'algorithme de YouTube. Et je pense que plus tu as d'abonnés, etc., plus tu as de chances d'avoir de notifs. Et j'en sais rien, hein. Ça, c'est une théorie que je sors un peu de mon cul, mais je pense que ça doit être assez proche. Donc abonnez-vous pour qu'on. Le but aussi, c'est ça, je tenais à le dire parce que je veux pas que ce soit mal interprété, parce que voilà, bref, c'est pas de doubler les abonnés sur deux chaînes, vous voyez concrètement, enfin, si vous êtes abonné aux deux, c'est cool, c'est tant mieux, mais je veux pas que ce soit mal interprété, le but c'est pas d'avoir 2 x 3500 abonnés sur deux chaînes différentes juste pour avoir plus d'audience, plus d'abonnés en global, c'est vraiment pas ça l'idée, c'est vraiment de proposer du contenu. Donc voilà, plus vite il y aura les abonnés du live sur l'autre chaîne, plus vite ce sera mieux référencé, plus vite il y aura les notifs, je pense. On dirait que je suis le maître du live sur Twitch, c'est fort possible, vous êtes aussi peu en petit comité sur l'autre, faudra que je refile les droits de modo, etc., au modérateur, etc., sur l'autre aussi. Donc bon. C'est la loi du. Salut, bonjour à tous. Alors, Professeur Raven, tu le kiffes? Et ben, Genja Bibito, pas tellement, hein. Au final, il est beaucoup moins puissant que l'écumeuse, je trouve. Plus pénible à jouer puisque c'est au petit flingue. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir peut-être cette nuit, si j'ai le courage après le live, ou demain dans la journée. Une review Raven. Une review sur Raven. Par contre, en support, que ce soit les 14% de blindage ou les l'AOE à 1700 quand tu fais 10 kills, c'est pas mal. Mais voilà, on parlera de ça. Bonsoir à tous, j'ai pas loupé ton live pour une fois, j'ai vu la notif à temps. Bec et Alexandre, et bah bienvenue sur le live. J'ai eu les deux notifs en même temps. Bon bah c'est très bien, ça veut dire qu'il y en a quand même. C'est un perso support, c'est exactement ça. Je revais mes droits de modo. Alors je vous repasserai ça parce que là du coup actuellement justement la chaîne DirectPix est vraiment encore juste en rediff. Donc j'ai pas encore configuré tout ce merdier, etc. Bref, voilà.
Donc je répète, hein, n'hésitez pas à vous abonner à l'autre chaîne, à déjà commencer à regarder les lives depuis l'autre chaîne, à vous habituer petit à petit à cette transition, puisque tous les lives seront de l'autre côté. Et il y aura aussi les lives PlayStation. Et j'annonce, il y aura les lives D3 notamment, et assez rapidement, tout bientôt, plus vite que prévu, et ça fait plaisir. Et je vous propose donc, après cette petite intro, je vais relancer un petit peu hein, tout au long du live la nouvelle chaîne DirectPix, mais je vous propose de parler de SSCF. Vous avez le programme en bas dans la description, je ne l'ai pas affiché cette fois, il est seulement dans la description, donc allez voir si jamais, mais en gros, je tape sur une heure de SSCF et une heure de DFFO. Il y aura bien entendu... Je m'en vais juste vérifier une petite chose. Je viens de me co au Discord. J'ai énormément de notifs. Ah bah voilà, c'est parfait. On va donc faire un gros giveaway. On va faire un gros giveaway ce soir. Tout simplement grâce à Rose Noire. Un compte level 75 sur SSCF. Un compte level 75 avec Aphrodite. Godclose, Mime, Aphrodite, Godclose, Triple Road, Shiryu, Godclose, Shura, Godclose, Sword. Je vais afficher le compte. Et oh là là, si avec ça. Si avec ça. Merci Rose Noire pour ce très très joli compte. Hein. Live D3, ce ne sera pas des let's play. Quelle est la différence pour toi, Lucie, entre un live D3 et un let's play du coup? Est-ce que Let's Play, il n'y a pas d'interaction avec le chat? Parce que c'est vrai, je me pose un peu la question de comment amener ça. Est-ce que Let's Play, il n'y a pas d'interaction avec le chat? Donc je joue simplement et je commente ce qui se passe, etc. Ou, et le live, selon toi, c'est plus justement avec ces interactions comme on fait en ce moment. Donc ça, c'est sur l'autre chat, parce que du coup, vous n'allez pas voir tous les messages. Je vous affiche en passant, bing, le compte de ce soir. Nice, bah si tu me dis qui c'est qui l'a donné, c'est cool, heureusement comme ça je pourrais bah, lui faire une petite dédie quand même, parce que c'est un bon gros compte, hein. Un bon gros petit compte que je vous affiche là, qui sera à gagner ce soir pendant le live SSCF. Et je vais faire un trick. Ouais, je vais faire un trick, vous savez ce que je vais faire? Les gens qui sont intéressés par ce compte, eh ben, je vous propose de le gagner en commentant la première et seule et unique vidéo qui est actuellement qui est celle de présentation de la chaîne DirectPix. Et je tirerai au sort parmi les commentaires pendant ce live. Je relancerai régulièrement. Donc voilà. Et après, on le fera aussi. Voilà. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, d'accord. Je vois ce que t'entends. Donc on a le reboot. Je vois ce que t'entends, Lucie. Du coup, les let's play, c'est les vidéos montées, coupées, etc. Ça peut être plus intéressant, effectivement. Ça peut être plus sympa de faire des let's play du coup, ce qui me permettrait d'un peu mieux jongler avec les trucs, ça pourrait être bien. Alors là, le son est peut-être un petit peu fort, hein. Vous avez Pegasus Fantasy en boucle. Ah, vous êtes en Liveception, hop. Bah oui, parce que du coup, avant, j'avais plus besoin, ça arrivait plus le Liveception, parce que j'avais pas besoin d'avoir les deux chats, etc. J'avais tout sur un seul, là. C'est sur mon petit chatter stream là, mais voilà, là ça marche plus. Donc là, vous risquez de vous retaper un quelques liveception entre deux. Puisque je reviens sur le chat principal, ça fait longtemps que j'avais pas fait des switch comme ça. Sur quelle future bannière à venir pour Senseiya, tu penses que ça vaut le coup de pull? Parce que là, c'est la dèche. Alors, pas sur une step up, hein, jamais, jamais. Là, je vais le faire parce que j'ai dit c'est le pull du désespoir, mais il faudrait, faut en tout cas pas sur celle-là. C'est ça, ça fait un mythique, Bibito. La bannière Asgard, je pense que ça va pas être... Pff. C'est chaud, surtout que derrière, normalement, il y a la fameuse EX hein, qui arrive. Je baisse un tout petit peu le son. Hop. J'ai dans ma box Siki Godclose, Shen Godclose, Aldebaran, Yoga, V2, Chion, Seiya, Sagittaire, Chion, Camus, Hades, Chion, Surpli, Cancer, Surpli, Ramtis, petit midi dans ma compo, optimal. Je te propose de passer sur Discord, sinon on va te aider dans le chat. Mais alors, en tout cas, Siki Godclose, Shen Godclose, Yoga, V2, Chion. T'as deux Chions, je pense que un, ça doit être un Surpli du coup. Hein. T'as mis trois fois Chion, mais je pense que c'est un Chion normal et un Chion Surpli. Ou peut-être un... Ouais, bah oui, ça peut être que ça. Bah pour le coup, t'as pas masse choix, hein, d'après ce que tu proposes, prodige. Je pense que c'est Ikki Godclose, Shen Godclose, Aldebaran devant, Yoga V2, puis Chion, quoi. Ah non, c'est Seiya Sagittaire devant.
Salut Denis! Let's play, c'est toi qui joues en off et qui découpe ça en épisode de X minutes. Ok. Eh bah, tu sais quoi? Vous savez quoi, Angel et Lucie, du coup, puisque vous parlez de ça, c'est une très bonne idée. On va faire des let's play sur D3. Exactement. Et en plus, c'est bien ce format. Je suis con. C'est très très bien parce que du coup, ça va permettre de diviser les diverses fins, etc. Petite question, je n'arrive pas à voir Meltdown en rouge avec Terra. Vous avez l'explication? Non, c'est bizarre, mais on va tester ça en deuxième partie. Ah ouais, c'est Yagod Close, le fameux. Je préfère les lives pour les jeux narratifs. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Tu l'as essayé Dragon Ball Légende? Eh ben, Denis Tracus. J'aimerais bien faire le morning de vendredi dessus. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore essayé la manip. Faut se connecter depuis les Pays-Bas avec un VPN pour DL le truc, recréer un compte Google depuis le VPN aux Pays-Bas, etc. Donc j'ai pas encore eu le temps d'aujourd'hui, voilà, de faire ce bordel. Je vais essayer ce soir. Si j'arrive à jouer d'ici vendredi, on le testera ensemble vendredi matin. Et si j'y arrive pas, je vous le dis tout de suite, le morning de vendredi matin, ce sera le test du nouveau gacha Harry Potter qui paraît est ultra pay to win. Bonsoir Romaric. Alors, je vais donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher d'un chat à l'autre. Ça va être du coup pas mal interactif ce soir, hein, au niveau du chat, puisque je vais jouer un peu avec les deux. Hop, malin le lynx. Pic, j'aimerais me mettre FFBE, mais je ne sais pas à quel moment commencer pour reroll et avoir un bon start. Pourrais-tu me dire s'il y a de grosses bannières en ce moment ou à venir? Bah, celle de Sephiroth, elle n'est pas mauvaise en soi, mais pour commencer, je pense qu'il y a plus simple. Je sais pas quelle est la prochaine bannière de FFBE qui est prévue sur la globale, mais si tu as un peu de patience, on va bientôt arriver à l'année. Il faut voir jusqu'où tient la patience, mais on devrait avoir des gros trucs qui arrivent. Ah, juste, il y a les crusades demain. Juste. Alors, je rattrape un chat. Du coup, c'est quelle lettre qui sera affichée sous toi comme message ici. J'ai pas compris, Lucie. À la fin de ce live, je vais effacer celui de l'autre chaîne. Là, c'est vraiment juste pour que vous vous abonniez déjà, comme j'ai dit, la chaîne, le premier live officiel qui va rester sur l'autre chaîne, ce sera celui de la semaine prochaine. Donc là, c'est vraiment juste pour que ça se diffuse dans les deux, que vraiment bah, vous puissiez faire un peu cette transition. J'espère que c'est le bon moyen d'accompagner la communauté qui veut que du live à aller bah, sur la chaîne live, entre guillemets. 4 fragments chaîne OCE. Ah cool, Quicksword. Voilà, ben ça, j'allais vous demander vos retours par rapport à ça. Ben alors du coup, merci Brodo et Sayen. Hein, c'est clairement un format que je lui ai pompé. Je vous l'ai dit, je l'ai annoncé direct au début du format. Hein. J'aimais beaucoup son format. Donc je lui l'ai sauvagement pris et je l'ai traduit un peu à ma sauce. J'ai changé évidemment des trucs. Hein, mais l'idée globale, c'était la sienne. Donc c'est cool si ça vous plaît. Aldébouclé? J'ai mis quoi? Ah mince! Mais ouais, il va être bouclé dans le prochain pool. Vendredi matin, c'est pas Hartpool Sephiroth. C'est juste, bah si, on va faire ça aussi en même temps. En plus, on va vider les tickets. Tu en étais où dans les Lost Chapters? Bah, j'avance petit à petit. J'ai avancé un bout sur celui de Vanille. Et Zetser aussi. Bon, sorti des cas! T'as aussi mis lundi 14 mai? Qu'est-ce que j'ai mis lundi 14 mai? J'ai mis une date dans la description? Pour aujourd'hui, pour le programme, tu dis? Ouais, c'est ça. À partir de lundi, ouais, c'est ça, les prochains, justement, les lives de la semaine prochaine, ce sera sur DirectPix, justement. C'est bien ça, c'est le 14 mai, du coup, c'est faux. Non, c'est juste, c'est ça. C'est bien ça. Donc, je vous propose Romaric, puisque tu es là, tu tombes bien. Est-ce que je peux utiliser ta vidéo pendant le live de Skirmish avec Aldeboubou? Parce que bien sûr, je l'ai pas. Hein. Ou bien, vous voulez envoyer direct? On envoie le petit pool step up et puis après, on balance là, on parle de Aldébaran. Allez. Soyons fous.
Salut Jérôme, comment peut-on aider à déterminer si c'est un CNTSS ou autre en PVP ou PVE? Alors essentiellement en discutant avec la communauté, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen. Aller discuter et avoir des retours des gens. Sinon, bah t'as les tier list, les classiques. Je suis débutant et pourquoi faut jamais pull les step up? Akli demande sur Twitch parce que c'est beaucoup trop cher. Tu vas devoir aller sur du 22 500 pour avoir un 3 étoiles garanti. Et tu auras des bannières qui vont te coûter beaucoup moins pour avoir des résultats beaucoup plus rentables. Surtout si tu es débutant et free to play, il faut vraiment, vraiment éviter les step up. Encore plus. Salut KJT! Bonsoir à ceux qui rejoignent! Tu parles du pool du désespoir, mais 85% de personnes de ma guilde ont eu des choses bien goldées, dont l'aldé en une multi, sauf moi. On va voir, j'en ai fait une, j'ai eu de la daube. Salut Frisouille! Alors merci Shiryu, Shiryu de la Guild Gold pour le giveaway. Je lirai la liste des persos après. Merci David. Comme c'est une nouvelle chaîne, on fait comme à la maison, sortez les bières et bah installez-vous, Brakis, tu as bien raison. Posez-vous tranquillement, il n'y a pas de modo pour l'instant, c'est la fête. Ah oui, non, oui, c'est Fenral, exactement. Il n'est pas sur le live, excuse, j'ai cru que c'était la tienne, en fait, sur le Discord, quand j'ai cliqué. Mais attends, du coup, ah. Fenral, je sais pas si tu es sur le live, si tu n'y es pas, ça m'embête d'utiliser sa vidéo parce que je ne l'ai pas demandé, du coup. Salut Malzo! L'amélioration du Holy Stone Gacha sur FFBE, bah j'en ai parlé, hein. Bah voilà, on a des step up maintenant au moins. Quand sauver le monde, Orkio? Eh bah je sais pas. Peut-être plus tard, peut-être demain, peut-être samedi. Petit pool, puis après on parle d'Aldébaran. Allez, soyons fous. On y croit. Ouais, c'est pour ça exactement, il y a deux chats, c'est l'or, donc du coup, bah, je switch, exactement. Donc, c'est un peu, bah, je réponds à une série, après je passe sur l'autre, je suis navré, il y aura plus de temps de latence dans les réponses que d'habitude, puisque, bah voilà, le temps encore d'une semaine que ça se fasse. On sera sur deux chaînes, je vais me répéter plein de fois tout au long du live. Parce que, bah voilà, comme ça, au moins, on est sûr. Allez, on fait spool, on est chaud. On y croit. Un petit Aldé. Si j'ai un Aldé en un, au premier step d'un multipool, j'ai même pas regardé les taux de drop. On va les regarder après, hein. On va les afficher les taux de drop. Ça va être pourri. Magnifique! Même pas un autre perso. Donc voilà, de la belle daube. De la belle daube. Comme prévu, comme prévu. Abonne-toi. On a quand même. C'est même pas le bouclier, hein. C'est même pas le sword. C'est le God Claws classique. Bon, il les fait des biens. Je l'ai déjà, mais bon. Il fallait quand même la tenter. Il fallait quand même la tenter, faut pas déconner. Allez hop! Et maintenant que j'ai pris cher, maintenant que j'ai pris cher, on va aller voir les taux de drop quand même. Je sais en général, hein, ça change pas vraiment. Alors! J'espère vraiment que la Holy Stone sera bien. Tac! On va commencer par parler de ça, bien entendu, hein, vu qu'on n'en avait pas parlé avant. 0,3%, bien entendu. Il fallait pas trop rêver. Il fallait pas trop rêver. Des taux qu'on se le dise plutôt misérables. Hein, c'est comme d'habitude sur les step-up. Ça répond aussi peut-être à la question d'avant, pourquoi il ne faut pas pull sur les step-up. Ça te donne une idée du taux de chance. Si je prends une autre bannière au mois d'avril. Voilà. Toi, tu as déjà des taux de drop qui sont un peu plus intéressants. Hein. Tu es sur du 2% pour des swords, etc. Donc là, c'est vraiment pas une bonne bannière. Alors, certainement pas pour commencer, ça c'est sûr. Et pas pour pull si t'es free to play, vraiment. Surtout que la prochaine,
ce sera en théorie notre chère bannière d'Asgard, et après la fameuse EX. Alors, elle donne envie, elle donne envie. On n'a pas les détails, on ne sait pas exactement en quoi elle va consister, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Ce sera probablement une grosse Zodiac Fest avec pas mal de persos et quand même des bonnes possibilités de choper du lourd. Donc, ceux qui voudraient commencer et qui sont patients, à mon avis, la meilleure bannière, c'est aller chercher, c'est ça. Et sinon, bah, si vous voulez de l'Asgard, bah, voilà, vous poulez sur Asgard. Personnellement, je ne vais pas pull là-dessus. Déjà, pouler là-dessus, c'était une connerie, hein, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live SSCF, je me suis dit, allez, soyons fous, poulons. Mais là-dessus, je vais pull, par contre. Donc, voilà un petit peu, je vous propose de jeter un œil au skill de ce cher Aldébaran. Puisque vous l'avez vu, le site de Horse est maintenant en français aussi, et ça fait vraiment plaisir. Donc, pour faire une idée aussi, maintenant, du coup, je vois pas le chat de YouTube, j'en vois qu'un. Donc, j'aimerais bien... Allez, je vais partir du principe. Fenral me dira s'il n'est pas d'accord. Si jamais, abonnez-vous à la chaîne SCF Saints, que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Hein, genre, mais quand je dis vraiment pas longtemps, c'est genre hier. Donc voilà, il y a des vidéos très, très instructives. C'est simple et efficace. Donc, c'est les petits skirmish. Ça va nous permettre de regarder un petit peu et ensuite de lire ces skills. Enfin, de les voir et ensuite de les lire. Donc là, en théorie... Donc voilà, hein, bah, si vous jouez à SCF, c'est toujours bien d'avoir plein de points de vue, et ça, c'est vraiment important, je pense. Si vous aimez bien un jeu, et qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs youtubeurs, plusieurs streamers, plusieurs magazines, plusieurs livres, peu importe, du moment que vous aimez quelque chose et qu'il y a plusieurs sources, je pense que c'est intéressant vraiment d'en consulter le maximum, en fonction du temps et de l'envie d'investissement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à vos diverses chaînes qui traitent de SSCF, de FFBE, de DFFO, et tout ça. Je pense que ça va tanker sévère. Je pense que ça va tanker sévère. Ça saute dans le tas, ça stun, ça debuff, et c'est assez classe en plus comme animation. Et ça a l'air bien solide. Franchement, à mon avis, ceux qui l'ont pourront certainement confirmer sur le chat, en PVP, il doit faire mal. Il knock back, assez classique pour un Aldé. Donc voilà, c'était juste bah, pour vous montrer un peu les skills. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne d'ailleurs. Attendez, hop. Ah mais non, mais ça c'est la chaîne de Liane Rosen. Je me disais, ça a merdé. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne chaîne. Non. J'ai perdu la chaîne. J'ai perdu la chaîne SSCR Saints. Bon, bah, je vous la passerai après. Je voulais la mettre dans la description. Mais du coup, ça a switché sur la chaîne de Liane Rosen, que je vous invite aussi à aller voir d'ailleurs. C'est en espagnol, mais avec les sous-titres, c'est tout à fait compréhensible. Donc, revenons à nos petits skills maintenant qu'on les a vus. Et je vous propose de vous faire la lecture tout simplement. Et bien sûr, après la lecture, je reviendrai sur le chat et on en parlera. Le Divine Great Horns, Great Horn, lance en le faisant tournoyer le bouclier de la balance sur les ennemis, inflige des dégâts physiques et un effet d'étourdissement sur les ennemis aux alentours. Lorsque le coup touche, augmente sa propre défense physique et résistance furie. Bien entendu, on l'a pas dit, mais c'est un chevalier de vitalité qui se met en front, hein, ou devant, puisque maintenant on l'a en français. C'est évidemment un rôle de tank et je pense qu'il va le faire très très bien et pas que. Taux de repoussement augmenté selon le niveau de la compétence. Si le niveau d'ennemi est égal à 100 ou inférieur, applique toujours les effets de repoussement. Même système que les freeze, hein, de la vidéo freeze, par exemple, que j'ai faite. C'est toujours ce système-là avec ce genre de choses. Plus l'écart de niveau est bas ou que vous lui êtes supérieur, plus vous avez de chances d'appliquer. Si vous lui êtes supérieur, bah, vous êtes sûr de toujours l'appliquer. Après avoir sauté dans les airs, ça c'est son deuxième skill, je trouve l'animation super chouette. Après avoir sauté dans les airs, atterrit sur l'ennemi le plus éloigné, inflige des dégâts et un effet d'étourdissement, donc le gros stun, sur les ennemis alentours, diminue l'attaque physique et l'attaque furie des ennemis touchés par l'onde de choc de l'attaque, avec un debuff sur l'attaque. Un tank qui la augmente sa résistance et la debuff l'attaque des autres, c'est top. Le taux d'étourdissement selon les niveaux de compétence, si le niveau de l'ennemi est égal, c'est toujours la même chose. Tank, boum, c'est posé, c'est dit.
s'approche de l'ennemi le plus éloigné, provoque tous les ennemis et s'octroie une barrière qui absorbe les dégâts pendant 5 secondes après l'apparition de la barrière, se protège avec son cosmos monté à son paroxysme. De plus, nullifie les altérations d'état tant que la barrière est présente, taux de provocation augmenté selon le niveau de compétence, etc. Est-ce qu'il y a besoin de commenter ce skill ? C'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est certainement, je suis prêt à affirmer que c'est le meilleur tank du jeu actuel, le meilleur front actuel, rien qu'avec ce skill. C'est un vrai skill de tanking. Il se décale, donc il sort les autres de la trajectoire des techniques ennemies, il va sur l'ennemi, il prend l'aggro, il annule les altérations d'état. Avant ça, il a debuffé l'ennemi, il va se buffer. Il faut voir l'ordre des skills, hein, mais vraiment très très fort, je pense. Le dernier, Dignity of Golden Ball, inflige des altérations d'état qui annulent une compétence chargée une fois et étourdit l'ennemi avec le plus haute jauge de cosmos, un stun sur l'ulti pour ne rien gâcher. Donc, bon perso, très bon tank, très bon front, si vous l'avez, je pense que c'est vraiment à monter en grosse priorité pour aller dans les teams. Hein. On va certainement me corriger sur le chat si en fait c'est de la daube, mais vu que je ne l'ai pas eu, que je n'ai pas testé, mais vraiment d'après le skirmish, d'après le papier, la théorie, c'est le meilleur tank du jeu. Hop. Et du coup, eh ben, je peux revenir sur le chat. Je peux revenir sur le chat principal. Alors, j'ai bien sûr raté plein de messages. Je rattrape le bon endroit. Donc, mon poulet est pourri, on est tous d'accord. Un kit à skis à ton chat avant de poule porte-bonheur. C'est vrai que j'aimerais bien des fois les attraper, mais j'ai déjà fait. Je l'avais même une fois, je ne sais plus sur quel live, fait poule, elle, hein, cliquer sur la souris, mais c'était sans succès. Sinon, Pix va sur Restream Chat et tu peux t'afficher les deux chats combinés en une seule fenêtre. Bah, c'est ce que j'utilise en fait, Restream Chat, Mirlink, à la base. Pour avoir Twitch et YouTube, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas pour deux chats et YouTube simultanément, malheureusement. Ça, c'est un peu le problème. C'est ce que j'utilise d'habitude, justement, pour avoir Twitch, YouTube et Mob Crush. Yo, Lord Fab, merci! Je crois que je t'en avais parlé, hein, Chili. J'avais vraiment prévu de splitter pour les lives, parce que là, c'est trop. Le live et les vidéos, c'est trop le bordel. Des lèvres gueux de foire, lol, j'ai compris que t'étais dedans, t'es le massacre. Je le massacre en off, en fait, parce que... Ah, on en parlera pendant le morning, si tu veux. Pendant le vendredi, tout est permis, donc si je m'engueule avec des gens, c'est pas grave. Mais bah, je le trouve pas si exceptionnel que ça. Il est bien, mais il est tellement bateau que j'ai du mal à accrocher. Voilà, je me réjouis que Détroit arrive. Ouais, clairement, parce qu'en plus, il cancel. Je pense aussi. T'as Afro TR ? Non, bah non, parce que non. Salut Jean-François. Yo Lord Fab. Donc, j'en profite d'ailleurs, même si on n'est pas sur FF, j'en reparlerai peut-être sur la partie DFFO, s'il y a des gens qui sont partis, qui reviendront pour la partie DFFO. Il y a une vidéo pour free-to-play pour Morbol qui est sortie sur la chaîne de Lord Fab pour Final Fantasy Brave Exvius. On a fait un gros live dimanche où j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère vous aussi. Donc on était beaucoup, c'était très sympa. Je lui refais un petit coup de pub, hein, tant qu'on y est. Vraiment, si vous jouez à FFBE, passez sur sa chaîne, ça va vous changer la vie. Vraiment, vraiment, allez voir. Normalement, comme il est dans le chat, là, qu'il a lâché un petit message, c'est le petit logo là avec le t-shirt. Et ben, vous pouvez cliquer sur son pseudo ou à droite de son pseudo et arriver directement sur sa chaîne en plus. Donc vous cliquez, vous allez sur abonner, c'est beau. Donc, le Aldé, très fort à mon avis. Vraiment très fort. J'ai pas tellement vu sur le Discord, j'ai pas tellement regardé, honnêtement plutôt, hein, on va partir de là. J'ai pas tellement regardé s'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient pull et du coup j'ai pas vraiment les retours de la communauté proprement dite. Je sais pas non plus, c'est terrible parce que du coup j'ai aucune idée de qui est où et de combien il y a de gens, à quel endroit. Est-ce que lui, il me le dit ? Ouais, vite fait, d'accord, c'est un peu bordélique. Ça marche. Je reviens un petit peu sur l'autre chat. Il est complètement pété au vu des skills, on est d'accord.
J'ai toujours pas eu mon 0,1%, ça c'est horrible. C'est horrible quand t'attends le 0,1%. Très bon live, je connaissais pas leur femme, mais il a gagné un abonné. Yes, c'est cool. Donc là, pour le coup, c'est les gens sur le chat de la nouvelle chaîne. Enfin, plus de 100 nouveaux abos, Rose Person. Et d'ailleurs, je vais, comme j'ai dit, je vais faire une petite vidéo. Mais là aussi, pour la saison 2, ce que je vous propose, c'est tout simplement, chaque semaine, je vais vous proposer pendant le live donc le vendredi, ça va pas commencer cette semaine, ça commencera la suivante, le vendredi pendant le morning live, je vais vous proposer un personnage de chaque jeu. Donc un personnage de FFBE, un personnage de DFFO, un personnage de SSCF. Et je vais mettre un vote, tout simplement. Parce que j'ai pensé au truc par rapport au vote de la chaîne et tout, j'ai vu qu'on s'était bien marré avec les noms, etc. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau des votes. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, vous allez pouvoir choisir un perso de un jeu. Vous allez voter en fonction des communautés, puisqu'on est quand même plusieurs petites communautés sur la chaîne comme ça. Et ben, vous allez pouvoir voter pour un perso duquel je vais faire la review. Mais quand je dis la review, c'est pas seulement la review IG. Peut-être vous avez vu le cas Gemini. La vidéo du cas Gemini que j'ai fait sur les Gémeaux de Saint Seiya. On sera plus dans une review comme ça. C'est-à-dire, je donne un exemple, vous choisissez, je donne la possibilité de trois persos, et dans parmi celles-ci, il y a Yoga. Il y a Yoga de Saint Seiya, et c'est Yoga de Saint Seiya qui gagne. Alors, il y aura la première partie de la vidéo, elle sera consacrée à Yoga, en soi. Yoga, le Saint, son histoire, on parlera de ses points forts, de ses points faibles, de ses relations. Donc, ce sera des choses qui tiendront à peu près sur 12 minutes. Je me suis dit quelque chose comme ça, entre 12 et 15 minutes. Et en deuxième partie, le petit tableau habituel, la petite review habituelle avec tous les yogas de SSCF. Si vous choisissez Sephiroth au hasard, parce qu'il y a Sephiroth qui est proposé cette semaine-là et que c'est Sephiroth qui gagne le vote, eh ben je ferai une review sur Sephiroth en détail, donc une grosse review, avec la partie histoire, bam bam bam, de Sephiroth, tout ce qui va avec, tous les spin-offs, partout où il apparaît, etc. Et en deuxième partie, l'analyse du perso FFBE. Si vous choisissez, je garde l'exemple, Yuna dans DFFO, et ben ce sera pareil. Mais en deuxième partie, il y aura l'analyse sur DFFO. J'espère que le concept vous plaira. C'est une idée qui est venue un petit peu comme ça au fil du temps aussi, au fil des discussions. Donc voilà, ce sera un petit peu aussi un des concepts de la saison 2. En plus des vidéos que je fais librement en fonction de mes envies, de ma semaine, de mon temps et tout ça. Et ben chaque semaine, vous allez pouvoir choisir une vidéo qui sortira de toute façon. Le jeudi d'après, le jour où on a commencé le vote. Voilà, bref, j'en reparlerai dès qu'on sera sur la chaîne DirectPix. Et pour ça, bah, il faut vous abonner à la chaîne DirectPix. Il y a le lien dans la description, après la description de la vidéo de ce soir. Yoga, relation Sean, on t'appelle. Aldébaran se servirait énormément en défense cruzade. Ah oui, en plus, son skill, c'est de la cruzade. Hein. Bon, vous avez dit, bon, ça, c'est normal aussi. Va faire la connaissance d'Aldéan Skirmish Guild. Alors, il y a du Aldéan Skirmish. D'accord. Ben, on peut aller voir, alors. Hop. C'est une bonne idée. Merci, Zetsu, du conseil. On va aller voir ça. On va faire des tests. On va le poutrer. Ah, j'ai oublié de filtrer. C'est pas grave. C'est le tien, Zetsu, du coup. C'est le tien. Je sens que c'est. Je pense que c'est ce qu'on est sur le bon skirmish. Fais voir le monstre. Et voilà. Et voilà. Ah, en plus, il se débuffe. Il se débuffe, ce sale. Ok, on va partir un peu à la Zub, hein, d'abord. On va voir un petit peu. Il contrôle pas. Il est où? Je pense qu'il faut quand même taper Aura. Il faut quand même taper Aura. Bon, ça, c'est pas formidable, hein, Shun ou CE Sagaspear, mais je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et on va backer, on va essayer plusieurs compos. Bon, le problème c'est que là c'est lui que je vais pas passer. Mais bon, on va voir.
Au fait, des vidéos Gaming Story, il y en a d'autres de prévues. Oui, Lucie, il y en avait plein, il y en a plein de prévues. Et justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu séparer la chaîne pour pouvoir mettre plus de contenu vidéo sur Pixperience pour qu'il ait une meilleure visibilité. Parce qu'aujourd'hui, les vidéos Gaming Story, c'est celles qui ont le moins de visibilité et de vues globalement. Et ben, c'est quand même, entre guillemets, j'ai envie de dire, un des formats sur lequel je prends le plus de plaisir. C'est pas forcément vrai, mais un format en tout cas sur lequel j'ai beaucoup de plaisir et que j'aimerais en faire un peu plus. Donc il est là, hein. Il a pris l'aggro de tout le monde et il ne bronche pas. Bien sûr, il y a Hades. T'as fait une petite team, hein, Zetsu? J'aurais dû mettre Chion. Ouais, j'aurais dû mettre Chion. Pas de heal, c'était mort. J'ai même pas effleuré, hein. Voilà, j'espérais cette tempo. J'espérais cette tempo du Sagaspear. Là, je l'ai fait un peu plus mal, mais ça suffira pas. Ok. Je vais virer Milo, je vais virer. On va tester autrement. Il est solide le cochon. Il est solide. Voilà. Petit hop, hein. Le petit hop d'Hadès. Personne ne le jouait, maintenant il te met des branlées dans la tronche. On est reparti, on va faire autrement. Oh non, on va pas le faire en current stat, hein. Je sais même pas, franchement, je sais pas ce que... Qu'est-ce que tu veux faire contre ce machin? Qu'est-ce que tu veux faire contre ce machin? Mettre des soigneurs plein partout? Alors ça, je pense que c'est juste. Il me faut un soigneur, c'est clair et net. On va voir si ça tiendra, s'il tiendra le coup, hein, parce que Chion, c'est pas non plus le plus solide du monde. J'ai de nouveau perdu mon Sagaspear. Il est là. Même pas. Ouais, mais de toute façon, il va prendre l'aggro direct. Parce que le problème, vous avez vu, il prend l'aggro tout de suite, quoi. Allez, on va essayer. Ah, mais il est tout seul! Ah, mais j'avais pas fait gaffe, t'as changé? C'est pas le même. C'est pas le même skirmish. Bon, là, forcément, hein. Mince, j'ai pas vu. Ouais, je viens de voir que c'est le LD solo. C'est pas grave. Voilà comment on va alder. Ah ok, bon c'est mieux en fait, comme ça on pourrait le tester plus. Bon, vous avez vu, hein, de toute façon. Avant que je change de loot, je fais plein de changements à plein de niveaux. J'essaie de faire plein de trucs, mais je change pas la lumière qui m'explose la tronche après 1 heure. Même là, hein, il résiste quand même pas mal, hein. Il y a 5 mecs qui lui tapent sur la gueule. Pas forcément du léger, hein, au max. Et il a quand même tenu. Bon, ok. C'était lâche. C'était lâche. Ok, alors, du coup, t'en as deux. T'en as un solo et un en team, hein. Celui-là, c'est lequel? Peut faire un combat de taureau. Qu'est-ce que ça donne? Bon, il est plus puissant, hein. Je vais recommencer les vidéos sur les raids, oui, sur FFB aussi. Enfin, en refaire comme je faisais avant, tout simplement. Les petites vidéos où je passe juste en revue le stuff, en fait. Comme j'ai dit, de choses sur... Enfin, plein de vidéos qui vont arriver, sur qui vont être remises au goût du jour et qui vont être plus régules. Ça va être ce combat.
On voit que les skills sont... Certains sont similaires. Mais il a ça, quoi. Il a ça. Ce skill-là, son saut, c'est complètement fou. Et ça aussi, je pense que ça fait bien mal. Et c'est joli. Il est bien animé, hein. Il est bien animé, je trouve. Le jet du frisbee et tout, c'est pas mal. Alors, il n'y aura pas de vainqueur sur ce combat, hein. Il y a peu de chance avec la régène, etc. Ça permet bien au monde. Ça permet de voir les skills. Son buff. Salut Fanouzama, bienvenue. Ouais, bien et toi? C'est net la forme. C'est mon pix, tu as le droit. Athéna interdit juste les armes, pas que les combats déloyaux de masse. C'est juste, c'est juste. Bon là c'était un peu, hein, un petit peu quand même. Allons lui péter sa gueule. Puis bon, bah là pour le coup, j'attends. On va juste voir quand même c'est qui a fait le plus de dégâts. Bon, ça se tient, hein. Niveau dégâts. C'est vrai que quand on s'habitue à regarder les lives, après on est toujours quasi au rendez-vous et ça fait plaisir. Encore merci à vous tous, comme je l'ai dit, merci à tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui nous ont rejoints en cours, tous les gens qui sont là pour qu'on ait passé les 3500 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, comme j'ai dit, faites-moi aussi part de vos réticences. Hein. J'ai un petit peu chaud. Faites-moi part de vos réticences aussi si vous pensez que faire une deuxième chaîne consacrée au live, c'est pas bien. N'hésitez pas, ou c'est de la merde, ou c'est de la dope, vraiment dites-le moi aussi. Même si on en a parlé pas mal avec les gens des lives, il me semble, j'ai quand même parlé pas mal de ça avec vous aussi. Et globalement, ce qui ressortait, c'est que c'était plus intéressant de faire une chaîne consacrée au live. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours à ce niveau-là. Le peuple assista à un combat de 1000 jours entre les deux chevaliers d'or. Au début, je voulais rajouter le hall des standards, mais... Du coup, ça reste dans le même ordre. Hein. Hop, ça doit être la team complète. Bon, pour la tomber, celle-là... Le problème, c'est que même en freeze, de toute façon, il focus, hein, il saute au milieu, et il focus les dégâts, les attaques comme ça. Enfin, au centre, quoi. Donc, c'est hyper compliqué. Allez, on teste pour le fun. On met les gros tons du DPS... Il est où? Non. Là. Voyons voir. On teste. Le godet est presque vide. Tant que tu fais du contenu sur les deux chaînes, ça ne pose pas de problème. Bah, sur l'autre, alors du contenu, il n'y aura que les lives. Et les rediffusions des lives, bien sûr. Donc tout ça, bah, tout ça ce sera sur l'autre. Et les vidéos, donc toutes les vidéos, ce sera sur Pixperience. Donc il y aura bien sûr du contenu sur les deux chaînes. D'ailleurs, vous savez quoi? Je crois que je vais dire... Au début, je vais peut-être laisser en fait les redifs de celle-ci aussi sur l'autre. Je vais voir. Bon, j'y penserai après. J'ai pas suivi ce qui se passait. Mince. Il a toutes ses vies, c'est tout ce que je vois. Il est au milieu, il a toutes ses vies et je leur ai pas fait de dégâts. Ah, il y en a un qui a pris un freeze quand même, mais je suis mort. Putain. Bon, alors on s'entend, hein, j'ai pas une box de fifou. Mais bon. Ça, en front, je pense que ce combo en front, ça va piquer, hein. T'arrives pas à attaquer, en fait, tu fais pas de dégâts parce que tu es toujours en train de taper sur lui ou éventuellement sur lui. C'est terrible. Ah, il est fat, hein. Il est fat, ce cochon d'Aldébar en shield. Bien entendu, je l'ai pas pull. C'est dommage parce que j'aurais bien eu besoin d'un autre front parce que là, j'ai mon Aldego de close, donc à la base... mais ouais, voilà, on va retenter un petit coup. Mais chaud.
peut-être une full aura, mais même, ça change rien. C'est vraiment le problème de le tuer assez vite. Et comme il est solide de chez solide, le problème, c'est que vous allez tellement taper dessus, les autres, ils vont charger leur ulti, et vous allez prendre dans la tronche. C'est le Otabox, ok, ouais. Eh ben, elle est fat, hein. Elle est bien fat. Je vais essayer d'attirer, moi, leur attention. Pour pas que son équipe me focus pendant que l'Aldé est chez moi. Mais ça va être chaud de nouveau, vraiment. Je suis obligé de mettre Sagaspire, ça c'est sûr. C'est le seul vraiment gros DPS aura que j'ai qui va peut-être pouvoir passer ses defs. Il va peut-être faire la diff. Il suffit qu'il freeze tout le monde. Du coup, il faudrait vraiment un gros mono-cible aura. Mais bon, j'ai pas ça évidemment. Même, j'ai pas de gros DPS aura. Ah si, mais peut-être une Hilda. Allez, est-ce qu'on complète. Ah mais non, putain, j'ai pas de front. J'ai pas de front, ça va pas aller loin. Hop. On va essayer un petit coup comme ça. Voir si Yoga arrive à freeze tout le monde. Peut-être que si j'arrive à freeze toute la team, les 5, j'ai le temps de taper suffisamment. Tiens, le doubleur japonais de Isaac, c'est le même que Freezer. J'avais jamais fait attention. Mais ça m'étonne pas, souvent bah, c'est les mêmes doubleurs, je pense, surtout au club, au dessin animé du club Dorothée, c'était les mêmes dans quasiment tout, quoi. Ça s'entendait par contre, ça. Il y a d'années, vraiment, tu les retrouvais. Alors, t'oublies les dégâts de base, en plus, il y a Afro God Close, hein. C'est ça le problème aussi. Derrière, t'as Afro qui t'expose. Ça, c'est Sagaspire qui t'empère. J'aurais bien voulu que Yoga, derrière la tempo de Sagaspire, réussisse à faire un freeze de masse. Allez, t'empère! Ah, c'est foutu. Il fallait que ça passe son ulti. Et ils m'ont stoppé. Tendu, hein? Il a servi à rien du tout, encore moins que Yuga, parce qu'il n'a pas le temps. Il a simplement pas le temps. Grosse box ou pas, on voit, il close le bon skill direct. Et très rapidement, du coup, il est vraiment. Bah ouais, c'est ça, il claque. Exactement. C'est ça, hein. Il claque tout de suite son skill et il tank, quoi. Il tank. Il tank sauvagement. Il va clairement. Bon, alors du coup, Zetsu, tu l'as. Qu'est-ce qu'il dit en arène? Il l'a. Voilà, ok. Pas un break méta, mais clairement, il l'a bousculé. Très peu de composition passe la mienne. Donc, on parle de celle-ci. De ça, hein. De ce que j'essaie de passer, mais c'est hyper chaud. Donc je pense vraiment que ceux qui l'ont, ils vont prendre un gros avantage en PVP. À mon avis. Même solo. Même solo. On va tester sa résistance physique un peu. On va voir. Pour faire la même chose avec du aura. J'aurais pu mettre Milo. Au CE, mais on va y aller avec Shura au CE. Yoga Godclose est trop lent. Ouais, alors sûrement. De toute façon, là, il a vraiment servi à rien. Ah, c'est solide. Ouais, quand même. Ok, quand même, on tape, mais il régène énormément. Ça permet de faire une idée, comme ça, au moins. Bah voilà. En 1 contre 1. Si je rame comme ou si je rame énormément comme ça, il prend tous les stuns. Bon, ils sont à niveau égaux, hein, bien sûr. Voilà ça. Pas énorme. On va voir l'aspect. On va voir l'aspect. Ça lui fait quand même un bon petit dégât. Il va claquer ses aspects. Voilà, il augmente tout son merdier. Ouais, ok, quand même. Okay, c'est possible de lui mettre du dégât, mais le pire c'est ça, c'est il debuff. Attaque furie, attaque physique. Hein. Donc, et vous avez vu, ça annule. Il me semble que ça annule les buffs qui se foutent tout seul. Hein. Ça passe pas. Ça passe pas. Je pense pas que ça passe parce que comme il a annulé l'aspect. Vous avez vu ça, il a annulé la spéciale au moment où elle est passée. Donc du coup, bah pas de deuxième spé. Ah, il est terrible, non? Moi, je pense qu'il est terrible. Avec son annulation, en plus, il fait chier. Bon, là, on est en 1-1, on est d'accord. Vous voyez, en 2 minutes, j'ai claqué une seule spé.
Une seule ulti. Presque la deuxième là, et encore s'il me la cut pas. Quand il y a cette espèce de halo violet là. Salut Sharky, t'as le programme dans la description. D'ici 8 minutes, 5 minutes, je vais refaire quelques tests avec Aldébaran vers 22h, 22h, vers 21h50 par là à peu près, environ des brouettes. On va passer sur des FFOE. Ah bah avant, la petite pause comme toujours pour aller remplir le godet avant que je m'assèche. Il fait son job de taunt et contrôle tout en tankant. Il fait aucun dégât, donc faut quand même avoir du gros DPS en arrière pour compenser. Ouais, alors ça, je pense. Après, c'est pas son rôle de faire du dégât, du coup. Hein. Ça pique. Ça pique, hein. Pourtant, on lui a mis du dégât, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. D'ailleurs, je vais vous le réafficher tout de suite. Puisque nous sommes au cœur de SSCF, je vous propose de vous réafficher le petit giveaway de ce soir qu'on va faire avant la pause, avant le break, avant de changer de jeu. Et je vous propose de le faire maintenant. Vous le voyez affiché. Vous le voyez affiché et je vais vous lire la liste détaillée parce qu'il y a plein de persos cachés. Attendez, je l'ai là. Hop. Donc il y a Shura Sword, il y a Afro Triple Road, il y a Afro God Close, il y a Shiryu God Close, il y a Mime, il y a Seiya Légende, il y a Mu God Close, il y a Shura OCE, il y a Alcor, il y a Hilda, il y a Garuda, il y a le Cancer God Close, on s'en fout, il y a Seiya Odin, il y a Minos, il y a du Surpli, il y a Seiya Sagittaire Gold, classique, et beaucoup d'OCE. Voilà. Voilà, voilà, donc un très gros compte, un très gros compte. Et comme je vous ai dit, là vous êtes en liveception. Hop, je vais vous le réafficher là, parce que c'est toujours problématique. On va faire comme ça. Vous cliquez sur le lien si vous voulez ce compte là, si vous voulez participer maintenant au giveaway de ce compte, vous cliquez sur le lien de DirectPix. Vous vous abonnez à la chaîne, même si c'est pas obligatoire, ce serait cool. Vous vous abonnez à la chaîne des lives. Et vous lâchez un petit commentaire du genre « Salut !» sous la première et seule et unique vidéo qu'il y a. Oui, c'est une promo toute pas secrète du tout, parce que je suis transparent avec vous, voilà, c'est pour un peu auto-promouvoir ma chaîne, et comme le compte est assez intéressant et qu'il veut peut-être intéresser du monde, ça change un petit peu du sempiternel et éternel dites-moi que c'est qui est intéressé, on fait le tirage au sort comme ça. Lâchez un petit commentaire sous l'autre vidéo, à 21h50, donc dans 6 minutes, on fera le tirage au sort, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce compte, et je pense qu'il y en aura. Je reviens d'ailleurs tout de suite pour vous confirmer ça, puisque je vois pas les deux chats, c'est terrible. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire autrement. Non, on va faire autrement, justement. Pour les gens qui regardent la rediffusion, pour qu'ils puissent aussi y participer. Oui, on va pas le faire ce soir, parce qu'en plus, c'est short, 5 minutes et tout. Non, toi qui regardes cette rediffusion, qui a envie de gagner cet énorme compte, 37 cm de compte, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Cet énorme compte, vraiment... voilà. donc, bah, participe, abonne-toi à DirectPix, lâche un petit commentaire sous la première et seule et unique vidéo qu'il y a actuellement, qui est la vidéo de présentation de la chaîne. Et au prochain live SSCF, la semaine prochaine, eh ben, on tirera au sort le gagnant de cet énorme compte. Voilà, j'espère que ça vous va. Et donc, n'hésitez pas à participer dès maintenant en commentant sous l'autre chaîne. Et lundi, je donnerai le gagnant, on tirera le gagnant ensemble, même si c'est un tout petit live de 30 minutes pour tirer le gagnant, il sera de toute façon rediff. Donc, voilà. Voilà comment participer au concours pour gagner cet énorme giveaway que je vous mets dans la description. Dans la description de YouTube. Juste en dessous de DirectPix, comme ça vous ne pouvez pas le louper. Si vous voulez revoir le compte... En screen, il y a le lien dans la description sous giveaway du soir, giveaway. Pas de soucis, Sharky. Ils sont bien les persos de la bannière Aldébaran. Bah, les persos de la bannière, bof. Il y a Aldébaran qui est très bon. Les autres, ils sont connus. Hein. Bon, il y a Dokoshield, ça va, il y a Dokoshield qui est très bon en front aussi. Il y a God... En fait, je te dis de la merde. Il y a des très bons persos, bien sûr. Il y a Godclose Shiryu. Mais c'est plus tard, sur la P3.
Ah non, il est aussi sur la P1. God Close Shiryu, bah elle débarque en God Close, normal. Doko God Close, bof. Final Dragon Shiryu, elle est aussi. Mais les taux, c'est toujours ces taux ignobles de step up. Hein. Je les raffiche ici. Si jamais il y a des gens qui nous rejoignent et qui souhaitent voir les taux de drop de la bannière Aldébaran, bah c'est ceux-là. Voilà, on est en P1. Hein. Donc bon, ça change pas fondamentalement énorme. Hein. Ah quoique si quand même. Ah non, c'est les steps, pardon. Ça, c'est les steps, je suis bête. Ça, c'est les taux, bah, comme d'hab, taux 1, taux 2, taux P, taux 3, taux 4, et taux step 5. Donc 22 500 pour un 3 étoiles garanti. Faites comme vous voulez, mais à moins d'être vraiment large au niveau Holy Stone, je vous déconseille de pull là-dessus. Hop! Et comeback sur le chat! On cope tranquille pendant qu'on regarde le live. J'ai un peu de retard sur DFFO comme d'habitude sur le farm. Retour sur l'autre chat. Aloha, fleur du pays. Un code qui marche à flanc de montagne. Donc, les amis, pour Aldébaran, on a fait un petit peu le tour. Hein. Vraiment, voilà. Si vous l'avez, soyez contents. Je pense que c'est un top tank. Le top tank. Déjà parce qu'il a un skill qui s'appelle Tank. Donc ça veut déjà tout dire. Non, il est vraiment fort. On l'a vu en skirmish, ça a été démontré. Vous avez vu en solo, vous l'avez vu dans une grosse team, celle de Zetsuna. Merci à toi pour le skirmish. Voilà. C'était à prévoir. Hein. C'était à prévoir. Aldébaran avec un bouclier, ça résonnait déjà plutôt bien. En front, en vitalité, ça résonnait encore mieux avec un skill qui stun et qui taunt toute l'équipe. Bah voilà, c'est quasiment parfait, parfait. Du cancel en prime. Faites-vous plaisir, si vous avez Aldébaran, vraiment, vraiment, montez-le en grosse priorité en front, quoi. Du coup, on a fait un pool catastrophique, on a fait cette petite review d'Aldébaran. Et ben, je vous propose, les amis, de faire ce petit break de 5 minutes, comme d'habitude, et de partir sur Opera Omnia pour parler un petit peu de l'event de Seymour et surtout de Terra et de la 35 CP, parce que c'est une question qui revient assez souvent. C'est comment jouer Terra, oh, pas vraiment comment jouer, mais comment optimiser les tours, etc. Il n'y a pas 36, etc. Oh, oh. Comment optimiser les tours, etc. Eh ben, il n'y a pas 36 solutions en réalité. Il y a un peu une pattern qui est assez simple. Hein. Faites un meltdown plus, vous utilisez. Vous faites un meltdown charge, vous utilisez le meltdown plus. Faites une meteor charge, vous utilisez la meteor charge, de manière à profiter toujours de tous ces buffs. Mais on va en reparler puisque j'ai eu la chance en un seul et unique pool. J'ai des tickets, on va les pool ensemble ce soir. De choper la 35 CP de Terra. C'est tout. Tout le reste était pourri sur le pool. Mais j'ai eu la 35 CP de Terra. Donc au final, je me plains pas. Et du coup, voilà. Nous y sommes. Si le jeu ne plante pas, c'est fantastique. Il ne plante pas. Et comme on ne sait jamais assez de choses sur l'histoire, je vous propose pendant ce petit break habituel de vous laisser en compagnie de l'odieux connard et de sa nouvelle création. Je suis certain que parmi vous, certains l'ont déjà vu, puisque bah, voilà, ceux qui ont vraiment accroché à cette chaîne sont certainement, ont certainement vu la vidéo dès qu'elle est sortie. Je suis absolument fan de ce format. Ça me fait vraiment... J'hallucine à chaque fois. J'hallucine à chaque fois. Et quand je vois les vidéos du petit théâtre des opérations, je me dis que Avengers Infinity War, eh ben, c'est vraiment des petits zikep. Sur ce, petit break, et je vous laisse avec l'odieux connard. Je reviens dans 5 minutes. Fais-toi un thé, fais-toi un café, mais ne quitte pas le live. Je suis de retour tout de suite. Je vous mets ça un peu plus fort, hein. Quand même que vous puissiez entendre quelque chose. Là, ça me paraît pas mal. À tout de suite, les amis! Thank you.
Et rebonsoir tout le monde! Et du coup, si vous voulez voir la fin, eh ben je vous invite à aller voir la chaîne de l'odieux connard, ça s'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est sa chaîne. Donc voilà, mais c'est juste exceptionnel, je vous la mets aussi dans la description, au cas où vous ne l'auriez jamais croisé durant les breaks de mes lives. Je l'utilise assez souvent avec son aimable autorisation, merci encore à lui. Et du coup, eh ben on est reparti pour du FFBE, tiens, beau joli lapsus, pour du DFFO, on est parti pour du DFFAO, et rebonjour le chat, rebonjour à tous, rebonjour les chats même, merci à tous, j'ai vu pendant la pause que l'autre chaîne DirectPix arrive déjà aux 100 abonnés, vous êtes fantastiques, vous êtes merveilleux, je vous aime, n'hésitez pas à vous abonner à l'autre chaîne aussi, c'est vraiment cool, c'est cool. Je pensais pas arriver directement aux 100 abonnés comme ça d'un coup, c'est très très bien, comme ça ben, la communauté, le noyau dur des lives sera déjà fait la transition, et c'est une très très bonne chose. Mais je n'en doutais pas une seconde, hein. J'en doutais pas. Le son doit être un peu fort du bureau. Hop. Là, c'est mieux. Et retour sur le chat, donc. Le portail qui va arriver avec le Hades, Seiya, Athéna, Poseidon, il marche comment? Bah, on sait pas, Tomine. Ah, Omine, Uchiwa, on sait pas. Mais ce sera certainement un Zodiac Fest avec pas mal de persos. Meltdown, puis Météor, t'as eu le principal. Je l'ai vu, elle est géniale, ouais, elle est superbe. J'espère que tu vas être chanceux, car moi, depuis le portail Ramza, j'ai eu que dalle. Ah bah, j'ai eu de la chance, alors pour le coup, j'ai eu un peu de chance. En perso, avec les cristaux orange et rouge, il y a qui d'intéressant? Ah, hop! Il y a Cloud, Zidane et... Cloud, Van et Zidane, oui. Zidane, je dis pas de conneries. C'est tout en rouge. Cloud, Van, Zidane, c'est tout en rouge, je crois. Donc, t'as de quoi faire, hein. Si t'es full rouge... on va confirmer, hein. Hop, c'est en join, puisque j'ai passé de mon smartphone. Comme d'habitude. Non, là. Ah mais non, je t'ai dit de la merde, je suis con. Ils sont en bleu ciel, j'ai confondu. Ils sont en bleu ciel, Cloud et Zidane, justement. T'as Van, il y a Van, Vanny et bah pour le coup, Bart. En rouge. C'est tout, non, je t'ai dit de la merde, Ils sont bien sûr, ils sont en bleu, Cloud et Zidane. Et Laguna, voilà, c'est pour ça. J'ai Cloud, Laguna, c'est pour ça que j'ai galéré avec mes bleus en même temps. Donc voilà, Van, je te conseille si tu l'as pas monté. Bah, Vanny, qui est quand même intéressante, hein, dans une moindre mesure pour l'instant, bien plus intéressante par la suite. Donc voilà. Avec Wick, on est chaud pour le show ou l'inverse. Go Copix, et ben on est parti, Nat. Bleu, oui, bleu, excusez-moi. C'est ça. J'étais sûr que c'était les rouges, parce que vraiment, à un moment, je me suis dit, putain, j'ai monté mon Cloud, après, il y a eu Zidane, et après, Laguna, et après Zidane, je suis là, oh là là, c'était RAM, c'était galère. Et maintenant, je vais foutre le doute, donc je vais quand même... Je vais confirmer. Hop, hop, hop. Bordel. Et Tidus, voilà, c'est pour ça. Les bleus, c'était le plus galère, voilà. Et encore Tidus. Il me semblait qu'il y en avait encore un dans le tas. Il me semblait. Donc ouais, Van, sans hésiter. Bonne soirée, Rose Noire, merci encore. Bon, bah, go coop. Go coop. Et, alors avant de coop, j'arrive tout de suite, hein, les amis, mais avant de coop, je rêve où les voisins sont en train de se taper une fondue au fromage sur le balcon. Putain. Bref. Ok, donc... Avant de coop, où qu'elle est ma petite Terra, elle est là. J'ai donc pas son stuff 5 étoiles, puisqu'il me manque 3 tokens, et que quand j'en aurai 2, j'irai chercher directement en double, puisque comme je vous ai dit, en un pool, j'ai eu la chance de choper sa 35 CP. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai sa 15 CP aussi,
Donc ça, c'est aussi une très bonne chose, au cas où je voudrais vraiment l'optimiser à coin. Le problème, c'est que je l'ai que en double limit break. En plus, je vous dis de la merde. N'importe quoi, j'ai pas équipé la bonne. J'ai pas équipé la bonne. C'est l'inverse, ça c'est sa 15 CP. Et ça, ça c'est sa 35 CP. Ça c'est donc la 35 CP, hein. Et bah, comme j'ai dit, j'ai la 15 CP mais en limit break 1 et la 35 CP en limit break 2. Mais ça, qu'on se cache pas, c'est de la Power Stone. Voilà, voilà, je l'ai eu qu'une fois. Et je vais donc aller chercher son stuff au moins deux fois, puisque même son 4 étoiles, comme vous avez vu, il n'est pas maxé. Il m'en manque un. Il m'en manque un et je vais pas claquer de la Power Stone pour du 4 étoiles, c'est une évidence. Mais j'étais quand même content. J'étais quand même content parce que du coup, la réalité aujourd'hui, et je m'en rends compte un peu avec plus de background dans le jeu, et voilà, je pense qu'on peut parler de ça un petit peu, c'est que ce jeu est généreux, certes, mais ce jeu, il va surtout te donner une palette d'armes. Et dans cette palette d'armes, tu auras une palette de 35 CP, qui sont ceux que tu auras eu la chance de pull. Toujours en étant free to play. Je suis plus free to play, hein. J'avais pris le pack à 36 balles, là, le spécial. Mais voilà, bref, même avec ça, c'est pas énorme, hein, c'était deux pulls. Donc, même avec les pulls qui sont disponibles actuellement, et plus ou moins, à moins de mettre de cachet dans le jeu, tu dois surtout faire avec les 35 CP que tu as. Donc, l'idée, au final, on aura souvent des 15 CP. On en a eu pas mal, etc. Ça tombe plutôt régule, mais pas les 35 CP. Les 35 CP, c'est beaucoup plus au goutte à goutte, avec des taux de drop quand même bien plus bas, des bannières bien plus diluées. La réalité maintenant, je pense, quand on pose la question de savoir quelle est ma compo idéale, la première réponse, c'est la compo avec laquelle tu as des 35 CP et du stuff maxé. C'est vraiment ça. Si tu as idéalement la 15 CP maxée, la 35 CP maxée et 3 bons artefacts, la réalité, c'est que 70% des personnages avec cette configuration-là seront bons et seront jouables. Je vous parle pas des Event Lost Chapter qui, eux, nécessitaient 3 personnages bien précis, ou au moins 2 des 3, plus un gros boosté. Mais vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup de 35 CP, ça va continuer, il y aura les 70 CP, etc. Il y aura même des personnages qui auront 2 35 CP. Donc la réalité, c'est que tu fais avec ce que tu as. Tout ça pour dire que, aujourd'hui, les 35 CP que j'ai personnellement, c'est Cloud. Merci encore à Raphaël, qui depuis le début m'a carry la game grâce au code Buster Sword. Terra, que je viens de choper, Zidane. Et Tidus, personnellement, c'est les seuls 35 CP que j'ai. Du coup, c'est fondamentalement les personnages que je vais focus pour monter au max. Puisque potentiellement, en plus, j'ai les 15 CP de chacun d'entre eux. Ça va, si je veux vraiment, dans l'idéal, aller optimiser des persos, bah, il faut que je vise dans cette palette-là. J'aurais bien voulu un mana boost, j'en ai pas eu. J'ai pas eu Ramza, il n'y a pas eu Chantoto qui est tombé. J'espère que Yuna va tomber, il n'y a pas eu Daiko. Mais voilà, enfin, c'était un petit peu une petite théorie comme ça qui m'est venue un petit peu l'autre jour. Quand j'ai chopé la 35 CP de Terra, je me suis dit, je visais celle de Seymour pour avoir un DPS magique. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec Terra? Je l'aime bien, mais c'est pas le personnage que j'affectionne le plus dans sa mécanique, etc. Mais j'ai sa 35 CP. Est-ce que j'investis dessus ou pas? Et là, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, quand c'est que j'aurai la prochaine 35 CP? Eh ben, je sais pas, je vais pas recache tout de suite. Hein. Donc voilà, je sais pas. Et du coup, j'ai utilisé des Power Stones pour la monter. Tout ça pour arriver à vous dire que voilà pourquoi j'ai utilisé 8 Power Stones pour monter la 35 CP de Terra, parce que concrètement, aujourd'hui, j'ai une palette HL de 4 personnages, Cloud, Zidane, Tidus et Terra bientôt quand elle aura rejoint les personnages maxés. Voilà. Ouh. Tu as le pool moitié prix. Oui, mais je ne l'ai pas fait parce que aucune des armes ne m'intéresse. Pour la théorie que je viens de donner exactement maintenant. Parce que sur le pool à moitié prix, alors c'est très sympathique de leur part. Hein. Si vous venez de commencer, ben voilà, pooler dessus, n'hésitez pas. Et en plus, ça fait chier parce que c'était un peu un « it's a trap ». Celle d'avant, c'était celle de Cloud avec son debuff, son dispel. Et il manque cette arme de Cloud. Mais j'ai pas pool quand même parce que 2500. Celle de Van en 15 CP, j'ai déjà maxé. On regarde un petit peu cette bannière, on va en parler bien sûr. Hein. Si vous n'avez pas du tout celle de Van, pourquoi pas? Si vous n'avez pas du tout la 15 CP de Van, je pense que ça vaut la peine de faire un 2005. Si vous avez déjà la 15 CP de Van, ça ne vaut pas la peine. Steiner, malgré ses buffs, etc., je reste convaincu que ce n'est pas un personnage qui va être très intéressant. Tifa, hormis que le fait que c'est Tifa, FF7, etc. Hein. Sephiroth, j'espère que vous avez vu la vidéo. Sephiroth arrive enfin sur FFVE. Bref, bien que ce soit des personnages de cœur, cette bannière n'est pas franchement intéressante. Steiner, Tifa, concrètement, on s'en fout. Van est intéressant si vous n'avez pas la 15 CP.
Bonsoir, Tudu. Fais péter le fromage, les voisins, c'est un peu ça. Voilà mon idée pour la COP, je vais te rajouter tout de suite. J'ai max amène direct, tu m'étonnes. Dans 2020, on nous donnera une 15 CP à chaque level 50. Ah bah voilà, voilà une info très très intéressante, Bibito. On va avoir les 15 CP gratuites. Donc vraiment, maintenant c'est 35 CP. Quand tu auras les 70 CP, la théorie reprendra exactement là où elle en est maintenant. Avec les 70 CP, votre personnage, ce ne sera pas celui que vous affectionnez ou celui qui est top tier sur la tier list. Ce sera surtout le personnage duquel vous aurez la 15 CP ou les 15 CP, la 35 CP ou les 35 CP plus les passifs, les 3 artefacts, maxé niveau 60 avec sa 70 CP. Et du coup, en fait, c'est ça comme équation qu'il faut faire pour composer vos trucs, je pense. Vraiment, vous additionnez tout ça et vous arrivez à savoir quels sont les meilleurs persos que vous avez. En revanche, il y a ça. Il y a Seymour, j'en ai parlé dans la vidéo sur la chaîne Pixperience. C'est précisément pour ce genre de choses. Cette vidéo, les vidéos perdent vite de la visibilité quand je fais pas mal de lives sur la chaîne. Donc voilà. Mais il y a la vidéo qui est disponible. Hein, vous pouvez la trouver dans la playlist Dissidia Final Fantasy Opera Omnia qui parle de... Je la sors avant l'event maintenant, comme j'ai dit. Donc ça parle de Seymour. Il est fort. C'est un personnage qui est très intéressant. Si vous avez sa 35 CP, je pense qu'il faut le monter. Shantotto, pas top tier d'un point de vue théorie pur et dur. Une très bonne batterie à mana si vous n'avez pas eu de Ramza, de Yuna, d'Echo, etc. J'en ai manqué. Donc voilà, une bonne batterie à mana quand même, qui peut être bien pratique et qui en plus tape à mana, à bravoure, et qui en plus tape magie, donc ça peut être quand même intéressant. Donc c'est là-dessus, a priori. Hein. Si vous devez pull sur une bannière, c'est là-dessus. Ah, on a encore celle-là, c'est juste, il y a encore celle de Ace. Un peu le même topo au final que Seymour, hein, est très fort avec des mécaniques qu'il faut assimiler. Hein, le système des slots, des stacks, on en a parlé bien sûr pendant la review. Bart, on aime ou on n'aime pas. C'est un pourcentage de bravoure. Moi, j'aime bien la mécanique. Je pense que si vous avez sa 35 CP, ça vaut la peine de le monter quand même. Et il n'y a pas la 35 CP, c'est Vivi, le mage de feu. Hein, on en a déjà parlé aussi beaucoup vu qu'il fait partie des starters. On va pull quelques tickets là-dessus. Oh. J'ai trop de matos, les amis. J'ai trop de matos. Je peux pas pull. Bon. Hop. On va fusionner un petit peu du matos. Hein. C'est à cause des artefacts. C'est bien entendu. Évidemment. Ah, c'est embêtant. C'est bien, ces artefacts. Mais c'est chiant. Que c'est ça. Allez, qui est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un petit Ramza? Un petit Ramza. Alors, je suis navré hein, de vous imposer ça en live, mais à chaque fois, c'est terriblement chiant, quoi, avec leurs artefacts. Mais voilà, je vais pas les maxer. Hein. Je vais vraiment juste en fusionner un maximum entre eux. Hop, je fais un Ramza ici. Après, je fais un Tidus, je fais une Chanto, je fais vite fait. Va-t-il avoir la chance de l'avant-dernier ticket comme pour Zizou ou Yori? Exactement, j'espère. Hein. J'espère, Seymour, ce serait bien. Je suis preneur. Terra, j'ai tout fini l'autre fois. Ishto, elle est encore du Zidane, même si ça va être difficile de faire mieux que ce que j'ai. J'ai vu, et bonjour à toi, ami de Facebook, si par hasard tu es sur ce live, je ne sais absolument pas le nom de cette personne, mais j'ai vu un van des enfers sur Facebook, avec du triple spirale, du triple red spirale plus, pour des CP ridicules, avec en plus de l'attaque en prime, trois fois. Pff. Ça prouve bien comme t'as raison. Ouais, c'est cool. C'est un jeu qui permet de jouer les personnages de FF qu'on préfère. Donc, il faut bien choisir quelle bannière pull selon les persos qu'on préfère. Et je suis totalement d'accord avec ta théorie. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça, évidemment. Alors, il y a toujours ça. Et après, bah, malheureusement, si vous avez des 35 CP, c'est des persos que vous ne préférez pas, bah, dites-vous que malheureusement, au fond, ce sera vos top tiers. Il va falloir faire avec jusqu'à ce que vous chopiez bah, ceux qui ont leurs armes, quoi. Ça va suffire, ça doit suffire. Sinon, j'ai quoi à monter vite fait? Celle de Magny, elle est pas max. Attends, je vais juste utiliser quelques armes. Là, voilà. Je vais juste vider un petit peu ici. Vite 10 armes de moins. De toute façon, j'ai pas 10 tickets. Hein. J'ai pas 10 tickets.
Les 3 étoiles, oui, alors j'ai même fait la vidéo pour expliquer que normalement, si vous voulez rentabiliser, il ne faut pas faire ça. Il faut fusionner vos 2 étoiles entre elles sans les upgrader, hein, je rappelle. Mais bon, au point où on en est avec l'XP, franchement, est-ce que maintenant, il y a des gens qui ont encore de la peine à monter des armes? Parce que moi, perso, je croule sous les orbes, je croule sous des orbes comme ça. Hein. Là, j'ai monté une pété d'armes, je suis encore tellement full. 3 étoiles, 4 étoiles, c'est abusé. Sans compter les trash 2 et 3 étoiles bah, qui viennent en général avec les poules. Hein. Bah du coup perso j'ai poule et j'ai eu la 35 CP de Seymour. Joli sur un ticket. Yori, bah GG à toi. Rebonsoir Denitracus, rebonsoir à ceux qui font la transition d'un live à l'autre. Vous faites plaisir. Vous faites plaisir. Installez-vous sur DirectPix. Posez-vous, prenez une place dans le salon avant qu'elle soit toute prise. Profitez. Salut Maé Julien. Enfin Julien Maé plutôt je suppose. Ah non, 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 faut pas poule. Moi qui ai environ 12 armes LLB, je galère à monter les armes. Bon alors évidemment. Je dois vendre des tokens tous les jours pour accepter les récompenses. Les tokens, c'est ça, c'est abusé tout ce qu'il y a. Donc allez, on va quand même faire des petits poules sur Seymour. Et puis voilà, hein, y a Dark Cécile qui arrive. C'est juste Dark Cécile, très bon perso, je rappelle. L'île Dark Cécile, j'ai envie de dire, on va les appeler le duo diabolique du Chase. Hein. C'est vraiment eux qui vont nous aider à faire décoller les ennemis en masse, notamment Dark Cécile, qui en plus fait plein de taf, fait plein de choses. C'est pas la bonne manière, on va pas pull là-dessus. Allez, comme Yori, un Seymour 35 CP direct. Fais-moi rêver de la daube. Allez, pour DirectPix. Et puis en passant, lâchez un petit like et abonnez-vous à toutes les chaînes du monde, à la Pixperience, à DirectPix, à tout YouTube. On s'emballe. Il y a 4 tickets. C'est pas énorme, hein. Je sais, on a bien plus que ça. Mais bon, on sait jamais sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est plus blanc, là. De la daube. Enfin, de la daube. On tire depuis là, on tire depuis là. 35 CP sur un ticket. Nope. Petit dernier. Et nope. Celle de qui celle-là, tiens? J'ai eu plein de fois. C'est de personne en fait, je pense des 3. Bon. Bon, il y en a d'autres qui vont arriver dans la soirée, vu qu'on va faire quelques coop avec Nat et compagnie. Je n'avais pas prévu d'utiliser des gemmes sur cette bannière, donc j'ai seulement fait 10 poules de tickets et j'ai eu la chance de choper la 35 CP de Terra. Eh ben, joli! Ça, joli, ça fait plaisir. Alors, attends. Nat, tu invites, du coup? Est-ce que tu invites? Faire une petite tas des opérations. Hop! Ou sinon, je peux inviter aussi. En fait, ah non, attends, je vais inviter, j'ai mes 5 cloches. Parce que j'avais gardé l'event pour vous. J'avais gardé l'event pour le faire avec vous au niveau 70. Putain. Tu ris, mais... Je crois que je l'ai même pas fait en 50, voilà. Bah, vous savez quoi? Je vais vous rejoindre dans quelques secondes. Laissez-moi juste, on va faire le 50 ensemble. On va faire le 50 ensemble. Ça va être vite plié, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? 100 KO en moins de 120 tours et moins de dégâts possibles. Très intéressant, ça. Ça, c'est des objectifs beaucoup plus faciles que no break. Parce que no break, ça va impliquer vraiment de perdre du DPS, entre guillemets. De risquer de perdre des tours à se faire break. Bon, je voulais faire, j'étais sûr que j'avais fait le 50. Et, enfin, je voulais faire le 70 avec vous directement, puis en parler un peu, le commenter en même temps. Bah, du coup, on va le faire sur le 50 et sur le 70 après. Donc on a 5 fights. Comme toujours, yeah Lady, c'est juste. Switchez de chaîne les amis, n'hésitez pas. On a 5 fights. On va bien sûr tout garder pour la fin. Maximum. Et on va en même temps, on peut parler de Terra. Donc là je suis parti sur un seul perso bonus de l'event. C'est la seule que j'ai monté, c'est donc Terra. Et en théorie, ça devrait suffire. Trop de difficultés. Hop.
Et elle est pas bien stuff, ma Terra. Et j'ai pas bien réparti les points, etc. Les artefacts, j'ai pas fait attention de comment c'était mis. Faudrait que je la regarde en détail. Parce que je voulais attendre d'aller choper les 3 tokens qui manquent pour lui mettre plus de CP. CA, ça va suffire, c'est parfait. On perd pas trop de temps sur les mobs, hein. Ah, ça suffit juste pas. Ça suffit pas, l'enfoiré. Bon, bah, je suis obligé de cross. Peut-être que ça suffisait avec Terra après, mais le problème, c'est que je vais pas... Ah, mais non, on peut se faire break! Bah voilà, je veux dire, je vais pas me faire break, mais si on pouvait se faire break, bon, c'est pas grave. 1207, ça passe en un break. Alors là, c'est mal stuff, hein, mais bon, c'est pas grave. De nouveau, pour le 50, ça devrait suffire. Si j'ai la position avec Cloud, bien sûr, je ferai, dès que je peux, le finishing touch. 1300 de dégâts. Faut pas que je me prenne trop de dégâts, hein, c'était ça, 7200. Donc là, il va se buffer. Il a l'air solide quand même, il a l'air solide. Debuff. On garde, hein, on garde pour la fin. De toute façon, on peut se faire break. Ça, faut pas rater le break. Sinon, ça pue. Il est sur Terra, donc bon, il va taper, il va peut-être changer de cible après, je vais assurer, je vais utiliser sa bravoure maintenant. Et on est reparti pour le break, on prend aucun risque sur les combats comme ça. Il décolle, là on charge, Terra va taper plus 10% de HP, un dégât je rappelle sur Lichis, c'est donc ça, Lichis, c'est très important, enfin d'essayer de lui mettre en HP. Hop! Moi, j'ai encore de la peine, mais à cause du manque d'orbes, c'est à cause des gils. Oui, les gils commencent à manquer parfois aussi. T'inquiète, le 50 à côté des Lost Chapters, c'est une blague. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Crénon. J'ai la langue qui fourche. Tu m'étonnes. Salut, Gamaré. Salut, Nono. Donc, même concept, on prend pas de risque, on pète les petits mobs, c'est deux fois en haul. On a le temps de jouer après sur B, on voit qu'on enlève un peu plus de la moitié des vies, on va donc tuer A. On va s'assurer de tuer B et A en un tour, et Chobon. Et le 50 avec un Ifrit chargé, avec tous les gens qui ont les PV au maximum, qui disposent donc de leur bonus d'attaque, c'est pour ça que j'aime bien mettre Ifrit de base. Là, j'ai Cloud et Zidane qui tabassent. Et on garde tout. Et là, bah, ça fait plaisir, hein, on peut lâcher des Stellars. Et donc, Terra. L'idée, c'est vraiment d'alterner Meltdown et Météor. Mais vous ne pouvez utiliser qu'un tour de DPS à chaque fois. Donc, tour 1. On fait Meltdown. Elle prend ses buffs. Vous pouvez l'éclipser un moment. Ça va juste faire un petit peu de temps. Elle augmente son attaque et sa bravoure max. Les deux buffs sont appliqués. Les deux buffs de Meltdown sont appliqués. Là, elle est ciblée, hein. Donc, ok, le but, c'est pour pas qu'elle se fasse break quand même. On va quand même essayer de pas se faire break. On reste quand même là-dessus. Coup de chance, là, j'ai mon Cloud qui a la position. Donc, je vais pas faire mon finishing... Si, non, allez, je vais faire mon finishing touch. On va juste burst à fond. On avait déjà chargé, j'aurais pu le faire avant. C'est pas grave, on va full bravoure, ou j'aurais pu le faire pour burster sur la chimère. Mais du coup, on va plutôt après lui enchaîner les cross-lash, donc... Voilà. Et là, elle risque de prendre un break. Mais il faut utiliser Meltdown Plus. Parce que si on ne l'utilise pas, le problème, c'est qu'après, on va perdre des tours de buff. Je vais l'utiliser, je vais prendre le risque. En plus, elle peut peut-être repasser devant. Elle repasse pas devant, c'est pas grave. Elle va prendre un break. Hein. À moins que... On ne sait jamais, sera malentendu. Ok, elle va prendre un break, Terra. C'est pas grave. Continuez les petits Stellar Circle. On est sur du haul, hein, vous voyez. Donc là, vous faire gaffe. Elle a pris son break. Elle s'est redescendue. Elle a toujours les deux buffs de Meltdown. On va prendre le buff de Météor.
On charge Météor. Allez, il a fait mal, hein. Il a fait mal. J'aurais pas tous les objectifs. J'ai pas été assez vite, entre guillemets. Et là, bah, on repart, hein. Météor plus. J'aurais pu invoquer. Cross slash. On lui met des patates. Il sort bof. Phi Energy. Pour le debuff. Ah, il l'avait déjà appliqué, bah oui. Et on a 4 stellars. Il lui reste 75% des vies. Ça va, c'est pas. Et on recommence le cycle. On peut faire un tour à blanc. En fait, à ce moment-là, avec Terra, c'est le moment du tour à blanc. Si tu veux, tu peux directement relancer le cycle. Là, c'est ce que je vais faire. Mais si tu veux, si vous pouvez, si vous voulez temporiser, eh ben, vous pouvez simplement refaire un tour de bravoure. Et comme ça, vous ne perdez pas les buffs. Mais là, on va relancer le meltdown. Il fait son roar. On va charger là. On va charger là. Et on va envoyer la chimère. Parce que là, par contre, on n'a plus les bonus du coup. Meltdown. Et là, bah, on balance le gros DPS et on espère que les fameux crustages vont passer. Et Météor pour garder les buffs. J'aurais pu faire un bravoure avant. En tour blanc. On va garder 2 stellars pour être sûr de pouvoir enchaîner derrière. Et on continue. Elle n'est pas énorme, hein, ma Terra, hein, dans le sens premier du terme. Ah voilà, j'ai fait quoi, Météor? J'ai fait Meltdown. Là, je peux faire le tour blanc. J'ai mes 3 buffs. On va le faire pour s'assurer. Il y a Cloud qui est dans le viseur. On va éviter de se reprendre un break. On va lui claquer le dernier Phi Energy. De toute façon, il est para. Et là, on est chargé. On repart sur Météor. Et on recommence le cycle. Je me suis trompé. Hein, j'ai inversé les deux pour le coup. Et là, ça va suffire. Tac. Il se prend les paras en boucle en plus, hein. Voilà. Alors, je pense pas. Je sais plus. Il y avait un objectif. C'était quoi? 7500 HP. Je pense que j'ai pris plus que ça. Mais voilà. Là, vous le refaites en full. Enfin, je le refais après en full DPS. Et bah, je tape. En espérant le tuer le plus vite possible sans prendre. Problème de T2, là c'était Zidane peut-être qui était un petit peu lent au niveau du DPS. Ouais voilà, 7200. 7200, il manque le dernier objectif de ne pas prendre moins que 7200 HP. Un cross slash bien placé, une tempo de moins, perdre un peu moins de temps certainement. Donc bon, rien de très compliqué hein, en soi. Hein. Hola, hola! En fait, c'est ça, c'est que j'ai joué en no break aussi, c'est juste. J'ai joué en no break. Et je me suis fait break quand même. Je suis plus modo. Non, vous êtes plus modo sur DirectPix du coup, parce qu'il n'y a pas les trucs. Je vais vous passer modo, après. Parce que là, je peux pas en fait du coup. Bah non, parce que je suis connecté sur Pixperience. Il vaut mieux limite break les 35 CP de Terra ou 25 CP, je le mets sur la 15 CP, je n'aurai pas le passif de sa 15 CP. C'est ça, bon, tout a été expliqué par Bibito, c'est parfait. Petite coop 70 du coup. Qui c'est qui... Il y avait Nat qui était chaud, qui c'est qui a invité? Ah mais attendez, il y a peut-être des tickets. Franchement, je l'ai pas complete, ça me frustre un peu. Faut que je la complete absolument. Il y a 3 tickets, on les repoulera. Allez, Nat... Tu m'as dit que t'étais chaud patate. Qui d'autre? Un Lady Nathée à capturer. Bibito. Allez. Eh
Exactement, merci Lucie. Bah voilà, elle a tout résumé. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Pendant une semaine, ce sera en multi. Après, ce sera plus que sur DirectPix, les lives. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en parle plus. Au cas où il y a des gens qui nous rejoindraient maintenant sur cette chaîne-là, sur du côté de Pixperian, je sais pas combien il y a de monde de l'autre côté. Parce que j'arrive. En fait, je vois le nombre de gens que sur Twitch. Il y a deux personnes sur Twitch. Donc bonjour à vous, les gens de Twitch. Ici, peut-être que je vois sur Rostream. 10, 9. Ok. Ça bouge pas mal. Ok, donc, Bibito, t'es quoi, mon petit Bibito? Maintenant que j'entends ta voix, chaque fois que tu me parles, elle résonne dans ma tête, c'est beau. Pas grand monde sur Twitch. Bah, il y a rarement grand monde sur Twitch. En même temps, je fais pas beaucoup de promos pour Twitch. Bibito, je te trouve pas. Ou quelqu'un d'autre, hein. N'importe qui écho sur le live. Sudu, et j'ai pas rajouté avant, je t'ai pas add. Sharky, si tu veux m'ajouter. Je balance après mon truc, mon pseudo. Où est-ce que t'es? Tiram. Bibito! Allez, c'est parti! Bon, bah, du coup, je prends mon cloud classicos, hein. Non, je t'ai invité là! Je t'ai invité. Et... Demain, c'est férié chez vous en France? Non, vous aviez eu férié mardi, hein, c'est ça. Je crois que c'est Orkio qui m'avait dit ça. Chez vous, c'était mardi. Chez nous, c'est demain. C'est la fête des mamans. C'est complètement décalé avec chez vous, hein. Donc, du coup, bah, demain, c'est férié chez nous. Donc, du coup, s'il y a des gens qui sont chauds pour peut-être en deuxième partie de soirée... Je dirais faire quelques runs sur Morne-la-Vallée, bah n'hésitez pas à vous manifester. Oh là, tout le monde est là! Ah, quoi, vous voulez pas mon Ifrit? C'est ça? Vous voulez pas Ifrit, vous voulez Sylph? Parce que ça tape vent? Alors on met Sylph parce que ça tape vent, parce que je rappelle que le boss est sensible à la foudre et au vent! Double Terra Cloud, ça va pas mal, hein, je pense. Je prends pas la mienne, elle est ridicule à côté des vôtres. Pff, vous êtes des cochons. Vous êtes des cochons, comme elles sont maxées, vos Terra, déjà. Ah, c'est Ferry aussi, ok. Chamalo, at DirectPix, pareil pour l'arrivée de Sefi vendredi. Oui. On fera les poules ensemble, d'ailleurs, en deuxième, première partie de Morning. Yeah, direct. Bing. Position directe. C'est vrai que j'aurais pu prendre Terra aussi pour triple Terra, mais... Ah, mais ouais, du coup, je suis plus rapide que les Terra. Ouais, mais voilà, la position, elle se perd vite. Profitez quand on l'a. Pouah. C'est insanitude, quoi. Les 10K qui volent déjà, 9-2, 10, 10-3, 9-2 qui se sont volés, quoi. Boum. Vas-y, en fait, elle gagne un... Enfin, c'est un short delay, donc elle repasse devant, quoi. Jeudi en Belgique aussi, ah bah voilà. En Belgique, c'est congé aussi, il me semblait qu'il y a plusieurs endroits, hein. Mais, je sais pas, on m'a dit qu'en France, c'était mardi. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Mais quelqu'un m'a dit que, justement, il m'a dit, ouais, est-ce que tu joues lundi soir, etc. Je crois que c'était... Croissant.
Il l'a pris? Non. Bon, on l'a refait, hein, il est là pour ça. Au moins qu'il serve à quelque chose. Ah bah voilà, bon, il l'a pris. Je vais être lent pour claquer ma chim, par contre. Comme elle repasse devant, quoi. Laissez-moi vivre, laissez-moi jouer. On est quoi, T18? Ça va scorer direct. Bon, on peut mieux faire, je pense. Oui, mardi, c'était férié, jour de l'armistice. Ok, d'accord. Rien à voir, en fait, avec nous. Ok. C'est pour ça que, du coup, on n'avait pas mardi. Ok. Mais donc, demain aussi. En France, on a le 1er, le 8 mai et le 10 mai et le lundi de Pentecôte qui comble le 21 mai. Putain. Ah, vous êtes chanceux quand même, hein? Le résumé de cette COP, météore lance, météore lance, météore lance. Bah oui, hein. GG. Salut Romain, bienvenue. Bon, bah du coup, hein, on retente. Je vous propose, pour clore ce live, parce que je suis navré, j'ai les yeux qui piquent, je suis juste fatigué en fait un petit peu, de terminer par la même COP avec un triple Terra. On se fait le triple Terra. Avant ça, je vous affiche mon idée pour les gens qui voudraient m'ajouter. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est là. Bam, bam, bam. Donc 8, 4, 1, 2, 9, 1, 5, 4, 1. Ouh! N'hésitez pas à ajouter mon idée et à me mettre un petit mot ou à me dire que c'est vous. Après, vous pouvez l'enlever hein, une fois que je vous ai ajouté. C'est juste que, comme ça, voilà. Ça, par exemple, ça, c'est un très bon exemple, Lexi. Après, il peut enlever PixViewer, c'est juste que comme ça, je sais que bah voilà, c'est des gens que je peux ajouter en ami. Et il faut que je refasse un peu de place, par contre. Salut, bah je sais que c'est un Français. Il y a des grandes, grandes probabilités, Ramza. Hop, hop. Tout ça, c'est déjà tout rajouté, hein. Je pense que j'étais déjà descendu jusqu'ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me add. En général, je mets le perso de l'event. Là, j'ai pas mis Terra. Je crois que c'est le. Ça doit être mon gros Zidane encore. Je sais plus. Bibito. Aîné, on est reparti. 8 mai, fête du travail, Pix. C'est pas le 1er mai, la fête du travail. Bon, de toute façon, en Suisse, on n'a pas. En Suisse, c'est vite vu, hein. On a congé jeudi. La fête du travail, ça, le 1er mai, c'est pas férié. Pff. Tu penses, tu penses. Ils adorent, ils adorent. Salut Golden Game. Ah, t'avais les droits pour un lien. C'est juste. Hop. Alors, excusez-moi, j'étais sur le chat. Ma petite Terra. Ah bah ils sont par cristaux. Salut le chat. Voilà, on va voir en DPS en combien de temps ça passe, qu'est-ce que ça donne. Alors, de nouveau. Ah non, non, j'ai déjà lancé, merde, et 70 sur 118, c'est faux, j'ai pas bien équipé ma Terra. Je fais de la merde, je fais de la merde, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pour la régène HP. Ok, donc c'est à moi de commencer. Hop, meltdown! Parce qu'ils en ont 4, évidemment, je vais me manquer. Mais je suis lent en plus. Je suis sûr que je vais mettre plus de tours du coup.
Bon, j'aurais dû monter en plus ma bravoure. Faire tour blanc, etc. Parce que du coup, j'ai un tour de moins qu'eux, donc faut que je temporise. Donc après, ça va faire météore, bravoure, meltdown. Ah non, météore, météore, bravoure, meltdown. Avec la tempo. Un météore. Ah, mais je vais me faire break si je fais le météore. Une bravoure. Du coup, on inverse. La date pour les jours fériés, 1er mai du travail, 18 mai, 8 mai, fête de la victoire, mardi 10 mai, ascension, jeudi 20 mai, Pentecôte. Ouais, jeudi 10 mai du coup. Donc demain, ouais, voilà, okay, c'est l'ascension. Donc c'est bien ça. Demain, vous avez congé. Ça va, t'as réussi à pas te faire tuer après l'arrêt du stream? Oui, Golden Game, j'ai même le screen. D'ailleurs, je ne l'ai pas publié. Je peux vous le montrer après. J'ai fait le screen à la fin de la victoire, hein, quand même. Après le gros live. Non, en fait, ça s'enlève manuellement. Voilà, bah, j'ai enlevé, mais voilà, merci. Je me suis dit. Temporise ma foi, hein. De toute façon, comme je dis, je suis beaucoup plus lent qu'eux. On va aller chercher Sylph. Ah bah voilà. On est au 22 déjà, hein. Plus lent, mais c'est ma faute. Il y a quand même une énorme différence, hein, vous voyez, entre bah, une foule et une pas foule. Bon, pour le coup, en plus, j'ai pas réparti suffisamment les CP. Et après, c'est moi normalement. J'attends le plein de commandes. Ils sont pénibles avec la jour férié. J'attends le plein de commandes dans ma boîte aux lettres et ça chôme comme jamais en début. Mais ouais, de toute façon. Alors, bah, je sais pas, nous c'est juste le jeudi, mais du coup, bah, pour vous dire, hein, c'est la Suisse quoi. On a congé jeudi, mais je pense vous aussi, vendredi c'est pas férié, donc les gens ils doivent prendre le pont. Mais tu vois, en gros, il y a tout qui s'est mis en arrêt depuis hier soir, hein, ou depuis ce soir en tout cas. Il n'y a plus rien qui tourne. Je viens tout juste de le finir, du coup, je suis allé un peu plus bourrin. Bah écoute, ça a passé crème avec le. Je vais charger, on va le finir de toute façon. Avec le Noctis full esquive, ça va passer crème. Un petit peu plus long avec les Terra, mais je pense que c'est à cause de ma Terra. À mon avis, tu peux faire plus rapide avec les Terra et les Sylph avec 3 Terra maxés comme les leurs. On a fait quoi avant 57K? See ya! On a fait 57K, je crois. Ouais, bien, vous l'avez entendu, hein, il se balade, il est venu. Il est venu dire bonjour, le matou. 45K, un tout petit peu moins. Merci beaucoup, Bubito et Lady Nat. Vous gérez. GG. Les artefacts qui vont squatter les slots jusqu'à ce que je les donc refusionne entre eux. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce live. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce live. C'était génial. Merci à tous ceux qui ont fait la transition, qui sont déjà passés sur la chaîne DirectPix. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à l'autre chaîne pour les lives, à lâcher un petit like quand même sur cette vidéo. Il ne faut pas déconner. Et je vous invite et je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un morning en deux parties. Il y aura une partie test. Si j'arrive à jouer à Dragon Ball Z Légende, ce sera Dragon Ball Z Légende. Et en deuxième partie, Sephiroth, bien entendu. Hein. On va pas pouvoir ne pouvoir traverser vendredi sans parler de Sephiroth et sans faire les poules Sephiroth sur FFBE parce qu'il me faut sa TM impérativement.
Et puis voilà, et si Dragon Ball Z Legend, je n'arrive pas à le faire tourner puisqu'il faut faire toute une astuce, eh ben on testera ensemble le nouveau jeu gacha Harry Potter qui je pense est intéressant mais beaucoup trop free to play à ce que j'ai free to play. Beaucoup trop pay to win à ce que j'en ai vu un petit peu dans les retours. Très bon jour férié, très bonne fête du travail, de la victoire de Pentecôte, de celui qui monte et qui s'en va. Bonjour férié à vous, profitez bien, dormez bien, salutations à tous et très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour une nouvelle vidéo et tout bientôt pour plein de nouvelles vidéos aussi. Vendredi matin pour un live, je dis n'importe quoi, c'est la fatigue. Ciao !